Salut à tous, une vidéo mise au point, ça faisait longtemps. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais Babaorom a mis sa chaîne en pause suite à un article qui était vraiment très gentil et dont j'ai appris l'existence. Merci Devil505, indirectement. Donc j'ai prévenu Babaorom, que je connais plus ou moins, qui, sous le coup de la colère, a décidé de mettre sa chaîne en suspension. Je vous mettrai le lien de l'article et de la vidéo de Babaorom dans le descriptif. C'est aussi une conséquence de ma précédente vidéo où apparemment ça m'a été compris comme quoi il y avait Yahoo, que AUR serait abandonné dans PAMAC. Non. C'est simplement que PAMAC a décidé de dire adieu à Yaourt, qui est un logiciel vieillissant, qui fait son âge et qui est horriblement difficile à maintenir sans tout péter. Donc, je vous mettrai un lien en plus vers le commit qui intègre les fonctions de compilation d'AUR, en clair ce que faisait Yaourt, directement dans PAMAC. Il n'y a pas d'abandon de PAMAC pour d'AUR dans PAMAC. Point barre. Je n'utilise plus cet outil parce que moi je n'utilisais que pour sa fonctionnalité de notification. Donc pour moi, ce n'est plus la peine. Comme je l'ai précisé dans une vidéo, désolé si j'ai mal été compris, mais là je vous dois dire qu'en ce moment je suis un peu fatigué. Donc vous comprendrez que je vais mettre les vidéos en pause jusqu'au début du mois de mars. En gros, ça va faire une petite semaine. J'ai besoin de me ressourcer. Je ne touche pas le moindre argent de YouTube. Je fais tout bénévolement. Ça me prend du temps sur ma vie personnelle. C'est-à-dire que je suis un no-life et je les en. Ouais, voilà, vous dire, il n'aura qu'à prendre du papier toilette. Voilà. Donc je vous montre l'article en question qui, en gros, me fait passer pour Hey, je suis le cavalier blanc! Vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine avec Coluche. Voilà pour le point culturel. Voilà l'article en question. Donc, simple remarque, est-ce que j'aurais dû. Voilà, je vais mettre cette partie en surligné. Est-ce que j'aurais dû m'arracher le t-shirt et me fouetter au sang comme jadis les pénitents lors de la peste noire de 1347-1348? Je n'en sais rien. Vous voyez, je suis très calme. J'ai laissé des commentaires qui n'ont toujours pas été validés. Il n'y en a que deux. Donc voici les commentaires que j'ai laissés. Voilà, je vous montre les commentaires que j'ai laissés, qui n'ont pas été validés. Je sais bien qu'on n'est pas en 24-7 derrière un bloc, mais quand même, ça demande de quoi? 30 secondes via un téléphone portable un peu évolué, comme mon Wiko, pour voir si on n'a pas des commentaires à valider sur son blog ou pas. Je sais très bien qu'on a aussi une vie professionnelle, mais ça demande 30 secondes. Le temps qu'on aille aux chiottes, on ne peut pas faire ça. Hein? Donc là, blablam, blablam, voilà. Donc le premier commentaire que j'ai laissé, et vous pouvez mettre la vidéo en pause, voilà, je vais mettre en plein écran. Je vais mettre en réponse. Vous pouvez mettre la vidéo en pause pour les commentaires. Voilà, premier. Et le deuxième commentaire, qui a été posté à minuit 41. Donc ça va faire en gros un peu plus de 9 heures. Et le second commentaire, qui est un peu plus long. Vous voyez aussi les problèmes, c'est que la correction automatique sur portable, c'est pas la joie, parce que c'est A détruit, A, c'est pas accent grave. Voilà. Donc, cette vidéo, j'espère qu'elle ne vous aura pas trop déplu, que ça n'aura pas trop joué YouTube Drama, mais il fallait faire un point. C'est-à-dire que là, je ferai sûrement un article par rapport à, dirons-nous, le côté très peu Brutus durant les Ides de mars en 44 avant notre ère. Désolé, je me lâche au culturel, de certaines personnes qui ont vraiment l'opportunité de dire en face ce qu'on pense aux autres. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis dans une petite semaine pour une prochaine vidéo. Allez, salut!